Hier soir avait lieu le keynote d'Apple. Malheureusement pas d'iPhone 12 pour le moment, mais une conférence autour de deux nouvelles Apple Watch et de nouveaux iPads. On a regardé ça pour vous. Très attendu, la nouvelle Apple Watch série 6 sera disponible en plusieurs couleurs de boîtier. Rouge, gris, bleu, argent et or. Avec évidemment de nouveaux cadrans et de nouveaux bracelets. Une grosse avancée côté santé, puisque l'Apple Watch série 6 mesurera désormais votre taux d'oxygène dans le sang. Une option qui viendra se rajouter à l'électrocardiogramme déjà présent sur la série 5. Une des surprises de ce keynote, c'est l'Apple Watch SE, qui remplace la série 5 tout en gardant sa puissance en conservant son processeur Beaker. Les deux nouvelles Apple Watch seront disponibles dès vendredi. La série 6 à partir de 429€ et l'Apple Watch SE à partir de 299€. L'iPad de 8ème génération conserve son écran de 10,2 pouces en augmentant ses performances avec la puce A12 Bionic. En revanche, refonte totale de l'iPad Air 4 qui sera désormais disponible en 5 coloris. Un design proche de celui de l'iPad Pro et donc compatible avec le Magic Keyboard et l'Apple Pencil 2ème génération. Nouvelle fonctionnalité avec notamment un écran liquide Retina, un nouveau Touch ID, une caméra 12 millions de pixels et des vidéos 4K. Le tout grâce à la dernière puce A14 Bionic. L'iPad 8 sera disponible dès vendredi à partir de 389€. L'iPad Air 4, quant à lui, sera disponible en octobre à partir de 669€. Au niveau des services, une grande nouveauté, Apple One. Un seul abonnement comprenant iCloud, Apple Music, Apple Arcade et Apple TV+. Pas d'iPhone pour le moment, on vous tient évidemment informé des annonces dans ce sens. A noter qu'iOS 14 est disponible dès aujourd'hui.